Coucou tout le monde, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle carte. Alors oui, en ce moment, je me suis remise aux cartes, je pense que c'est les beaux jours qui me donnent envie de travailler des couleurs. Donc j'ai sélectionné mes petites encres Scholl, que comme d'habitude, je vous mets les références en barre d'information. Et je vais venir donc les mettre sur mon pad acrylique pour ensuite les travailler avec un petit peu d'eau. Donc j'ai pris une base de carte qui fait à peu près 10 cm sur 15 cm. Mais vous prenez les bases de cartes qui vous conviennent et en fait je vais mettre de l'eau sur le fond de ma carte et je vais également empiéter sur mon pad acrylique avec toutes mes couleurs. Et comme vous voyez, avec un petit pinceau, je vais venir tracer donc des traits et je vais faire une sorte de petit arc-en-ciel de couleurs de haut en bas en faisant des lignes plus ou moins grosses selon les couleurs. Donc encore une fois, vous pouvez prendre les couleurs que vous souhaitez, le faire dans l'ordre que vous souhaitez. Si jamais vous préférez faire des zigzags ou des lignes verticales, c'est votre choix. Moi j'ai fait ça parce que je trouvais que ça rendait joli comme ça et puis ça me plaisait plutôt pas mal, donc voilà. Une fois qu'on a bien tout appliqué, je viens vérifier les couleurs et je vais en rajouter au besoin pour intensifier un petit peu les couleurs comme le jaune par exemple et le orange clair. Une fois que les couleurs sont appliquées, on vient sécher notre fond de carte ou alors on le laisse sécher tout court. Et je vais venir récupérer donc une petite chute de papier jaune que je vais couper donc en forme de bannière et que je vais coller au centre de ma carte. Ensuite, je vais rajouter une petite étiquette tag de chez Action. Une petite feuille découpée que l'on m'a envoyée et que je trouve juste magnifique. Et ensuite, je vais venir rajouter une petite découpe de mots smile que je trouvais également très jolie dans des tons violets, puisque je trouvais que ça s'accordait plutôt pas mal donc avec les couleurs de la carte. Et comme j'aime bien rajouter des petites choses qui brillent sur les cartes en dernier, je viens prendre mes petits stickers de couleur rose gold et je vais venir faire des petits points tout autour du mot smile et de la feuille pour apporter un petit peu de lumière. Ensuite, je voulais mater ma photo sur un papier doré, sauf que je n'en avais pas. Donc du coup, j'ai juste pris un papier blanc et avec un stylo gold, un gros feutre d'ailleurs de couleur gold, je suis venue faire donc un petit pourtour sur du papier blanc, un tout petit peu plus grand pour laisser apparaître le bord. Et j'ai collé ma carte sur ce fond et comme vous voyez, ça fait très joli, je trouve, et assez lumineux. Donc moi, j'aime beaucoup. Donc j'espère que ça vous plaît également. Et comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!